t'a permis, t'a fait grâce d'être là. Alors sois là pour lui ce matin. Offre-toi à lui ce matin, bien-aimé. Offre-toi à lui ce matin, bien-aimé. Offre-toi à lui ce matin, bien-aimé. Ne viens pas seulement remplir les chaises, mais offre-toi, offre-lui un culte aujourd'hui. Peut-être que ce jour ne reviendra plus jamais. Peut-être que ce dimanche ne reviendra plus jamais. Il n'y a qu'un seul jour. Peut-être que ce jour ne passera et ne reviendra plus jamais. Je veux que tu prennes ce jour en considération. Tu dis, Seigneur, moi je suis là aujourd'hui. En cette date qui ne reviendra plus jamais dans l'histoire, moi je suis là pour toi aujourd'hui. Jésus, nous sommes là pour toi. 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 Nous te remercions, Seigneur Jésus. Alléluia. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, Jésus. Alléluia. Et ça la kangande tilibomae. Soki esunanga ya kitiawai. Nae bakate na pesa enini. Yon son azali zase soye. Andi mangambo ya bomo inangae. Andi mangambo ya mikuma nangae. Andi mangambo ya bituma nangae. Bolingwa boye na monateo. Ba misusu ba matati na bangomba e. Mabelela ye ayoka bangoteo. Kana tumuli kaka maboko apamba. Akitimango ayoka losambu. Esala kanga netili boma e. Soki Yesu nanga yakitiawa. Na eba kate na pesa emini. Yon son azali zase soye. Andi mangambo ya bomo inangae. Andi mangambo ya mikuma nangae. Andi mangambo ya bituma nangae. Bolingwa boye na mona teo. Ba misusu ba matati na bangomba ye. Ba belela ye ayoka bango teo. Na tomboli kaka maboko apamba. Akitima bo, ayoka lo sabu. Yesu azali yao. Yesu nanga ye. Yesu azali yao. Yesu azali yao. Oh ya ya. Yesu azali yao. Yesu azali. Yesu azali yao. Yesu nanga ye. Yesu azali. Oh, Yesu azali.
endroit sont assemblés en son nom, il est là présent. Je veux que tu réalises la présence de Dieu en cet instant. Je voudrais que tu réalises la présence de Dieu en ce lieu. Dis Seigneur, parce que tu es là, nous venons t'adorer. Dis Seigneur, parce que tu es là, nous venons te célébrer. Seigneur, parce que tu nous honores par ta présence, nous venons aussi te dire que tu es merveilleux pour nous. Bien-aimé, si tu connais la chanson, si tu connais les paroles, chante le plus profond de toi. Alléluia. Et ça, la sanga netili bomae. Soki esunanga ya kitiawa. Tae bakate na pesa enini. Nyon son ajali ezasiswe. Anzi mangambo ya bomo inangae. Anzi mangambo ya mikuma nangae. Anzi mangambo ya bituma nangae. Bolingwa boye na monateo. Ba misusu ba matati na bangombae. Ba bele yae ayoka bangoteo. Ngana tumuli kaka maboko apamba. Akiti mbangu ayoka losamboe. Souviens-toi dans tes prières, quand tu as prié dans ta chambre. Tu n'étais que toi devant l'Éternel. Tu as demandé au Seigneur sans gêner. Tu as demandé au Seigneur au plus profond de ton être. L'Éternel t'a accordé sa grâce. Bien-aimé, souviens-toi, dis Seigneur, je te remercie pour ces moments-là. Plusieurs entrent pendant ces instants, montent dans les montagnes. Plusieurs cherchent Dieu, mais toi, par des simples phrases, par des simples mots, Dieu t'accorde ce que tu demandes. Remercie-lui pour sa bonté dans ta vie. Sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant, bien-aimé. Seigneur, je te remercie parce que ta présence m'a toujours fait du bien. Seigneur, je te remercie parce que ta présence m'a toujours fait du bien. Avec moi, tu as toujours été fidèle et tu le seras. Bien-aimé, dis-le au plus profond de ton être. Dis Seigneur, je sais que tu es là. Je te remercie parce que tu es là. Seigneur, je sais que comme tu es là, je ne retournerai pas tel quel. Bien-aimé, pour ne pas retourner tel que tu es dans la présence de Dieu, il faut te disposer toi-même personnellement. Dis Seigneur, je ne veux pas que cette phrase qui dit « Nul ne vient, passe par la voie et reste le même. Nul ne rencontre Jésus et reste le même » soit un slogan. Mais je veux la vivre aujourd'hui. Je veux la vivre aujourd'hui. Comme je te rencontre aujourd'hui dans ta présence, je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis entré. Bien-aimé, réalise-le dans ta vie. Dis Seigneur, tu es là, nous sommes là. Seigneur, tu es là, nous sommes là. Nous nous offrons à toi, Jésus. Alléluia. Nangambo Egipto, molilie. Nangambo Isaela, polebimie. Esika eswazae banaka. Présence nae, polelangai. Sandukwa mibeko, eke iwapie. Eke kopambola obede dome. Bisika eswaze bunga na kate o. Présence na ye li pamboli na nga e. Se ama
t'offrons nos cœurs ce matin. Avec toi, commis ce palibosson. Seigneur, nous nous déversons devant toi, Jésus. La source intarissable, c'est toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Jésus. Nous déversons nos cœurs devant ta présence, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous déversons auprès de toi, Seigneur, devant ton trône de grâce. Devant ton trône de grâce, Jésus. Sopali bosu na yo motema na nga yango yo na eko sopali bosu na yo lokola mwasio yo ayaki na malasi na ye asopaki yango na makolo na yo lokola mwasio yo ayaki na malasi na ye asopaki yango na makolo na yo rape na sopie Esso panie, motema na ngai su. Esso panie, esso panie, motema na ngai su. Na yuki suni te na yuko sopa. Ami soba tebele malasio yoe Ya motu ya mino na kumboli Na kati solo ya mote mananga Strategikoman na pangusi na sukiye Pona bimi sape solo ya malasio yoe Eso panie Eso panie Eso panie Mote mananga Esso panie, esso panie, esso panie. Motema na ngai, esso panie. Devant ton trône de gloire, Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas honte de dire que nous nous déversons devant toi. Nous n'avons pas honte de dire que nous nous déversons devant toi. Nous t'offrons nos cœurs ce matin, Jésus. Nous t'offrons nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous nous déversons devant ta présence, Jésus. Nous nous déversons devant ta présence, Seigneur. Avec un cœur sincère, nous nous déversons devant ton trône, Jésus. Qui suis-je, Seigneur? Qui sommes-nous, Jésus, devant toi, Seigneur? C'est toi qui nous as fait, Jésus. Ce que nous sommes, c'est pour toi. Ce que nous sommes, c'est par toi. Éternel, c'est pourquoi nous nous déversons ce matin. Nous nous déversons, Jésus. Nous nous déversons, Seigneur. Nous nous déversons, Yahweh, devant ton trône, Yahweh. Devant ton trône, Jésus. Devant ton trône, Seigneur. Devant ton trône, Père de gloire. Nous nous déversons, Seigneur. Qui sommes-nous, Jésus? Qui sommes-nous pour s'enorgueillir du souffle que tu nous donnes? Qui sommes-nous, Éternel, pour bomber la poitrine et disant que nous sommes forts, Jésus? C'est par toi que nous sommes forts, Seigneur. C'est par toi que nous avons la paix, Jésus. C'est par toi que nous avons la vie, Seigneur. C'est pourquoi nous nous déversons devant toi, Jésus. Nos cœurs, nos pensées, Éternel, mon rocher. Notre être dans sa totalité. Nous t'offrons, Jésus. Nous t'offrons, Jésus. Nous t'offrons, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Moli moyango, na eko sopa. Na se ama kolo na yo Moli moyango yo Na eko sopa Na se ama kolo na yo Mabanzo yango yo Na eko sopa Na se ama kolo na yo Motema yango yo Na eko sopa Na se ama kolo na yo
De ta présence. Esprit Saint, manifeste-toi en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous te désirons en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous te désirons en ce lieu. Nous avons besoin de ta présence, Esprit Saint. Esprit Saint, descends, agis, manifeste-toi. Esprit Saint, descends, agis, manifeste-toi. Descends, agis, manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Que ta présence remplisse ce lieu, oh Jésus. Que ta présence remplisse ce lieu, Seigneur. Que ta présence remplisse ce lieu, Jésus. Descends au lieu de mon cher Saint-Esprit. Descends, cher Saint-Esprit de Dieu. Ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Manifeste ta présence. Nangwele yaka Moli momo santu yaka na yoe Moli momo santu yaka Moli momo
moli momo santu yaka kitana kembo na yo eh moli momo santu yaka eh moli momo santu yaka na yo eh moli momo santu yaka moli momo santu yaka eba moli momo santu kita Zana moto na yo ya ya e Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Ah moli momo santu yaka e Moli momo santu yaka na yo Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Ah moli momo santu yaka e Moli momo santu yaka na yo Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Yema Moli momo santu yaka e Moli momo santu yaka e Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Ah Moli momo santu kita Kita na moto na yo ya ya Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Yema yaka lelo Yaka Yaka Yakosa Yaka lelo Yakosa, Itamolimo, Akitana yoe, Yakana yoe, Akitana yoe, Akitana yoe, Yakosa, Molimo Santu Yaka, Molimo Santu Yaka, Molimo Santu Yaka, Molimo Santu Yaka, Molimo Santu Yaka. Moli momo santu yaka eh Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Ah Moli momo santu yaka Kitana kembo na yo Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Ah Moli momo santu yaka Kitana moto na yo eh Moli momo santu yaka Moli momo santu yaka Yaka lelo, yaka, yaka, oh yaka lelo, yaka, yaka lelo, yaka lelo, yaka lelo, yaka lelo, kosana kosano, yaka lelo, yaka lelo, yaka lelo, yaka lelo, yaka lelo, Yaka yaka yaka, akitana moto, kitana kembo, kitana moto, moli mona moto, moli momo santu yaka, moli momo santu yaka, moli momo santu yaka, moli momo santu yaka. Amen. Quand le Saint-Esprit est parmi son peuple, il accorde la joie. Je voudrais que nous puissions manifester la joie dans la présence de Dieu. Je voudrais que nous puissions nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Et que nous puissions acclamer pour ce Dieu-là parce qu'il est là présent. Que nous puissions pousser des cris de joie en son honneur parce qu'il est Dieu et qu'il le mérite. Fais-le bien, bien-aimé. Fais-le très bien parce que Dieu le mérite.
Fais-le très bien parce que Dieu le mérite. S'il faut sauter, saute. S'il faut danser en acclamant, pousse des cris de joie pour la gloire de Jésus. Fais-le très bien encore, encore pour Jésus. Alléluia! Amen! Jésus le mérite. Amen! Allez, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Les pas que tu danses dans la maison, là, devant la télévision, je voudrais que tu danses aujourd'hui devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. La chorale va nous aider. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Mets-toi, Milolo. Yeah. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Non, 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 personne. Il n'y a personne qui soit comme oh, je Jésus. Je n'ai jamais vu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. On va faire ceci. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Toi, chante, chante ça. Déclare qu'il n'y a personne comme ton Dieu. Il faut le dire avec précision. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. On va faire ceci. Je marchais, marchais, personne, personne. Je tourne, tourne. Je priais, priais. Personne, personne. Il n'y a personne qui. Maintenant ton tour, fais-les comme ça. Je cherche, marchais. Personne, personne. Je tourne, tourne. Je priais, priais. Il n'y a personne qui soit comme lui. Encore une fois. Je marchais, marchais. Personne, personne. Je tourne, tourne. Personne, personne. Je priais, priais. Personne, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Moi je veux marcher. Je fouillais, fouillais, personne, personne. Il n'y a personne. Maintenant tu sais, il n'y a personne comme Jésus. Danse comme tu veux. Danse comme tu veux. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas.
aimais Jérusalem, mais moi je l'aimais, je veux y aller. Quand nous venons dans sa présence, il nous donne la joie. Quand nous venons dans sa présence, il nous donne la paix. Quand nous venons dans sa présence, il nous donne le réconfort. Jésus est tellement merveilleux pour nous. Jésus est tellement merveilleux pour nous. Jésus est spécial, il est incomparable. Il est incomparable, amen. Notre Jésus. Amen. Il est inégalable, notre Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans sa présence par un moment d'adoration avant de recevoir la parole. Amen. Je voudrais que tu réalises et que tu adores Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'adore parce que tu es merveilleux pour moi. Seigneur, je te loue parce que je vois dans les cieux de sous la terre, il n'y a personne comme toi. Seigneur, moi, je t'élève parce que je t'aime tellement, Jésus, que je n'ai pas honte de le dire. Je t'aime tellement, Jésus, que je n'ai pas honte de l'assumer devant les gens. Je t'aime tellement, Jésus, que je n'ai pas honte de le démontrer. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Adonai, nous t'aimons, c'est pourquoi nous sommes là. Jésus, nous t'aimons, c'est pourquoi nous sommes là. Mais je veux que tu ne restes pas spectateur, que tu ne sois pas là seulement pour regarder le voisin, mais que tu le dises, bien-aimé. Dis, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nami pesi mo bima Loku mo pe na kembo Ezonga na yo Nakumi si seyo Nangumba me liyo Kolo na ye
Adore ton Dieu, bien-aimé, 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 adore ton Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Here I am to bow down. Here I am to say.
Je dois trouver une solution pour que tu sois heureux. Parce que
résolu, j'ai cherché à résoudre, à répondre à cette question en considérant deux choses. La première chose, c'est ce que j'ai appelé les étapes de la vie. Les étapes de la vie, ou plutôt le période de la vie. Et la deuxième chose que j'ai considérée, c'était les saisons de la vie. Parce que quand nous vivons, pour que nous puissions savoir où nous sommes, nous devons d'abord connaître à quelle étape de la vie nous sommes, à quelle période de notre vie nous sommes, mais aussi nous devons savoir à quelle saison nous sommes, quelle saison de notre vie, qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous, qu'est-ce qui est en train de se passer en nous. C'est ça qui va nous aider à comprendre où nous sommes. Concernant la première chose, les étapes de la vie, ou plutôt les périodes de la vie, nous allons aller dans la parole de Dieu et lire 1 Jean chapitre 2, versets 12 jusqu'à 14. J'ai un problème avec un frère qui ne parle qu'anglais. Ma fille n'est pas venue pour traduire, je ne sais pas qui peut aider à traduire, ou plutôt si Liévin peut rester à côté de son ami et l'aider à traduire. Tu ne peux pas traduire. Alors nous n'avons pas quelqu'un qui traduit, ce frère. Papa Michel, va rester à côté de notre frère là-bas et travaille. Dieu te bénira. Porte ton masque. Il ne faut pas couronner quelqu'un. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Brother, you're going to be there to help you translate so that you can know everything we're doing here. Okay, that's good. Donc, il y a, je disais, les étapes de la vie, mais il y a aussi les saisons de la vie. Alors, pour les étapes de la vie, nous avons ce passage qui dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Nous continuons, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ici, je trouve trois catégories, ou plutôt trois étapes de la vie, trois périodes dans la vie de quelqu'un. Il y a les petits-enfants, il y a des jeunes gens, et il y a des adultes qu'on appelle pères. Cela peut être vrai pour le physique, physiquement, mais cela peut être aussi spirituellement vrai. On peut être petit enfant spirituellement, on peut être jeune homme spirituellement, et on peut être un adulte spirituellement. Tout cela se passe pas par rapport à votre âge. Parce que quelqu'un peut être adulte physiquement, il a 60 ans, il a 70 ans, mais spirituellement c'est un petit enfant. Parce qu'il vient de naître, il ne connaît pas grand-chose. Quelqu'un peut être un tout petit enfant de 15 ans, 16 ans, mais spirituellement, c'est un adulte. Donc, cela ne dépend pas de notre âge. Physiquement, ça peut dépendre de cela, mais spirituellement, ça dépend de comment nous reflétons l'image de Christ. Nous pouvons le refléter en tant que petit enfant. Les petits enfants, ce sont des gens qui pleurnichent à tout moment. Et ce sont des gens qui apprennent encore. Ils apprennent, ils ont beaucoup à apprendre. Lorsque je vois, par exemple, quelqu'un toujours en train d'appeler un serviteur de Dieu, en train d'appeler des pasteurs, en train de chercher des prophètes, à tout moment, ça signifie que c'est un enfant spirituel. Un enfant spirituel a toujours besoin de l'approbation de quelqu'un. Tu veux aller aux toilettes? Papa, est-ce que je peux aller aux toilettes? Tu veux manger chez quelqu'un? C'était mon habitude. Maman, est-ce que je peux manger? Tu veux faire ceci? Tu as toujours besoin de l'approbation. Et quand tu veux faire quelque chose, c'est toujours « prie pour moi,
Prie pour moi parce que j'ai mal à la tête. Prie pour moi parce que je dois aller commencer le travail. Prie pour moi pour ceci. Prie pour moi pour cela. Ça, ça reflète, ça montre que c'est quelqu'un qu'on doit aider à apprendre parce que c'est un petit enfant, spirituellement parlant. Quelqu'un qui arrive, ce n'est pas que quand tu es petit enfant, spirituellement, que c'est une mauvaise chose. Non, parce qu'il y a encore, disons, on doit grandir. On est obligé de grandir. Donc, si tu te sens petit enfant, cherche à grandir et arriver au niveau de jeune homme. Les jeunes hommes, ce sont les gens qui se débrouillent seuls. Ils n'ont plus besoin de leurs parents. Ils se démènent. Ils prient seuls. Ils étudient la parole seuls. Ils font des choses. Ils veulent avancer. C'est quelqu'un qui veut. Quand quelqu'un est jeune homme, il peut même quitter ses parents à Kikwit ou à Kinshasa ou à Kasumbalesa et venir aux États-Unis seul. Ça, c'est un jeune homme. Il veut se débrouiller. Spirituellement, c'est la même chose. Tu cherches Dieu. Tu lis la parole. C'est lorsque tu es coincé quelque part que tu vas venir vers un autre serviteur de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des jeunes hommes spirituellement. Et nous devons savoir à quelle étape, à quelle période de notre vie nous sommes pour bien répondre à la question de Dieu. Où est-ce que vous êtes? La troisième catégorie, ce sont des adultes spirituels. Un adulte spirituel, c'est quelqu'un qui ne pense plus à lui-même, mais il pense, comme disent les Américains, au legacy. Il veut laisser quelque chose. Il veut laisser quelque chose qui va pérenniser, qui va parler de lui, même s'il n'est pas là. Nous avons aujourd'hui des gens comme Adina Bal, comme le pasteur Lukusa, comme Vernon. Ce sont des gens qui étaient arrivés au niveau de l'adulthood et ils ont laissé une legacy qu'aujourd'hui nous continuons à suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, ça, c'est concernant les étapes de la vie. Je voudrais souligner ceci, que chaque bénédiction, chaque grâce que Dieu nous donne, même chaque assignment en français, c'est quoi encore? Comment? Tâche. Quand Dieu veut te donner quelque chose à faire, il regarde à quel niveau tu es. Est-ce que tu es un petit enfant? Est-ce que tu es un jeune homme? Est-ce que tu es un adulte? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Si tu es un jeune homme, tu es un enfant, on ne peut pas te donner une voiture Porsche. Tu peux beau prier, Seigneur, papa, donne-moi, il ne te donnera pas. Parce que tu ne vas pas bien handle it. On comprend cela? Donc, Dieu nous donne certaines bénédictions. Dieu nous confie certaines tâches. Dieu fait des choses. Il intervient dans notre vie par rapport à où nous sommes dans les étapes de la vie. Il ne pourra pas donner des enfants à une maman qui ne sait même pas c'est quoi être une maman. Il ne pourra pas donner des enfants à un papa, un jeune homme qui ne comprend pas l'essence de la vie, l'essence de la famille. Donc Dieu pourvoit à nos besoins, c'est vrai, mais il le fait toujours par rapport à où nous sommes dans les étapes de la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de grandir. Parce que tu peux avoir les promesses de Dieu en toi. Tu peux avoir la grâce de Dieu, le bonheur qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Mais tu ne sauras pas saisir certaines choses de la vie. Tu ne pourras même pas recevoir les réponses à certaines de tes prières si tu continues à demeurer dans une même position, si tu n'évolues pas. Donc nous sommes obligés de changer d'étape, de changer de période. Tu étais un petit enfant, deviens un jeune homme. Tu étais un jeune homme, deviens un adulte spirituel. Nous avons eu dans notre église ici un jeune homme qui était chargé de la jeunesse, qui aujourd'hui à son église. Il est arrivé au niveau, spirituellement parlant, d'un adulte spirituel, alors que c'est un jeune. Alléluia. Donc, il est bon que nous puissions connaître où nous sommes. Parlons maintenant, et c'est là où nous allons nous étendre un tout petit peu, de la deuxième chose, les saisons de la vie. Les saisons de la vie.
Et dans les saisons de la vie, lisons Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, le 22e verset. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ici, dans ce verset, j'ai épinglé six saisons de la vie. Six saisons de la vie. Si nous pouvons retourner encore, mon frère, aide-moi à retourner au verset. Il y a, premièrement, la saison de semailles. Il y a la saison de moisson. Il y a la saison du froid, que nous appelons ici hiver. Il y a la saison de la chaleur, que nous appelons l'été. C'est déjà quatre. Et le verset qui suit nous donne les deux autres. La saison du jour et la saison de la nuit. De la même manière que Dieu dit, ces saisons-là, ne cesseront pas tant que le monde subsistera. De la même manière, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, ces six choses vont subsister. Ces six saisons, nous allons les remarquer dans notre vie. Alléluia. La première saison, c'est la saison de semailles. Dans la saison de semailles, on se sacrifie. Dans la saison de semailles, nous luttons pour que la vie puisse naître. Dans la saison de semailles, comme on dit en anglais, it's time for digging. C'est le temps où tu vas loin, tu cherches, tu fuis. C'est la saison de semailles. Et la saison de semailles est caractérisée par des pleurs. La saison de semailles, comme je l'ai dit, est caractérisée par les sacrifices. Souvent, quand tu es dans cette saison de semailles, les gens ne voient pas ce que tu fais. Dans la saison de semailles, les gens ne t'approchent même pas. Parce que tu es comme caché, tu es comme quelqu'un que tu travailles et personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Tu peux être en ce moment-ci dans une période où tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Tu peux s'aimer physiquement, tu peux s'aimer même financièrement. Tu mets ton argent dans telle affaire, tu investis dans telle autre. Personne ne voit ça. Mais c'est lorsque tu vas commencer à manger que les gens vont dire, waouh, cet homme est riche, cet homme est béni. Mais lorsque tu s'aimais, personne n'était là. Personne ne comprenait tes stratégies. Personne ne savait exactement comment tu t'es sacrifié pour que plus tard, les bonnes choses arrivent dans ta vie. Donc, la saison de semailles, c'est une saison où tu es seul. Tu peux même croire qu'il n'y a personne dans la vie qui t'aime. La saison de semailles. Deuxièmement, nous avons la saison de moisson, la saison de récolte. Est-ce que le protocole peut me trouver de l'eau? J'ai pris des médicaments et j'ai la bouche sèche. La saison de récolte, c'est une saison où ce que tu as semé, maintenant tu reçois la production. Tu reçois la production. Généralement, dans la saison de moisson, tu ne travailles pas seul. Dans la saison, quand tu moissonnes, il est difficile que tu puisses moissonner seul. Tu as toujours besoin des autres. Quand tu es à ta saison de la moisson, tu as besoin des gens. Rappelez-vous, par exemple, quand Simon-Pierre et ses amis ont travaillé toute la nuit, il n'y avait pas de poisson. Mais quand Jésus-Christ leur a dit, « Ok, maintenant c'est la saison de la moisson, allez là-bas, amenez du poisson », ils avaient besoin que les gens viennent les aider, que les autres viennent les aider. Donc, dans la saison de la moisson, il faut que nous puissions apprendre
à travailler avec les autres, que nous le voulions ou pas. Troisièmement, nous avons la saison du froid que nous appelons l'hiver ici chez nous. En Afrique, principalement chez nous au Congo, on n'a pas de saison, on n'a pas quatre saisons, on n'a que la saison de pluie et la saison sèche. Malheureusement, la Bible n'a pas été écrite par des Congolais. Donc, ceux qui ont écrit la Bible, ils connaissent qu'il y a l'hiver et qu'il y a aussi l'été. Donc, la saison du froid, c'est la saison de l'hiver. Je ne sais pas si vous le savez, ici en hiver, il y a beaucoup de personnes qui meurent, surtout de vieilles personnes, à cause de la solitude. Au moins, pendant le mois de l'hiver, les gens ne sortent pas beaucoup. Les gens sont chez eux. Et quand ils sont chez eux, c'est la solitude. Et nous remarquons que les gens vont au travail, retournent vite, rester à la maison. Quand il neige, on ne veut pas trop aller par-ci, par-là. On veut rester chez soi. Donc, c'est une saison où les gens attrapent beaucoup la dépression. Merci, maman. Vous permettez que je prenne un peu de l'eau, n'est-ce pas? Merci. Ok, donc, pendant la saison froide, on a la dépression, on se sent rejeté, on se sent trahi, on se sent abandonné. Dans notre vie de tous les jours, dans la vie spirituelle, nous pouvons aussi avoir ces moments-là, où cette saison de l'hiver, cette saison de froideur vient dans notre vie. On se sent abandonné. On se sent rejeté, on se sent seul, on sent comme si on peut attraper la dépression. C'est comme si les gens autour de toi veulent te trahir à tout moment. Mais laisse-moi vous dire ceci, que lorsque nous voyons, nous sommes en hiver, et que nous voyons que tous les arbres sont presque morts, il n'y a pas de feuillage, c'est comme s'il n'y a pas de vie. Ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu travaille. C'est pourquoi, dès que l'hiver est terminé, vous verrez que les arbres deviennent déjà verts, directement. Ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment la mort. Dieu travaillait dans les coulisses et nous ne le savions pas. De la même manière, quand tu vis une saison de l'hiver dans ta vie, une saison de froid dans ta vie, tu peux croire toutes ces choses, qu'il n'y a personne qui m'aime, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a rien qui répond. C'est comme si dans ma vie, tout est mort. Mais sachez que dans cet état-là où tu te trouves, Dieu travaille. Alléluia. Donc si tu es là et que tu es dans cette saison de froid, dans ta vie spirituelle ou dans ta vie sociale, la vie de tous les jours, que ça peut sembler comme si tout était mort, mais Dieu travaille pour toi, il continue à travailler. Alléluia. Maintenant vient la quatrième saison, c'est la saison de la chaleur, la saison de l'été. De la même manière que ça peut arriver dans la vie physique. En été, tout est beau, tout est ok, nous allons dans les malls, les gens voyagent, dans certaines églises même, on ferme l'église. Les gens vont en vacances, c'est la saison de la chaleur, la saison où les choses bougent. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale, dans notre vie de tous les jours, ça peut être pareil. Nous pouvons vivre une saison, un temps dans notre vie, une période dans notre vie où tout nous sourit. Tu cherches du travail, et tu en as même quatre, tu dois choisir lequel est bon. Je cherche là où on me payera $18 l'heure ou $20 l'heure. Tout est souri, tout marche bien. Tu as besoin des amis, c'est toujours des amis, il y a toujours la fête. Il y a la fête à Fairfield, il y a la fête à Forest Park, il y a la fête à... Rarement des fêtes à Westchester. Mais en tout cas, il y a la fête partout. Alors, quand tu es dans cette saison-là, tu risques de croire que tout va très bien. Et c'est ça qui fait que souvent, nous commettons des erreurs pendant cette saison-là. Alléluia.
Est-ce que les gens me comprennent ou bien c'est trop... On comprend, hein? Ok, je peux avancer. Alors, dis pasteur, avance. Comme ça, moi, je vais avoir aussi le courage d'avancer. Si vous êtes quiet comme ça, j'avais déjà prêché dans une église, quelque part dans un pays, je ne veux pas citer. Les gens me regardaient comme si... Moi, je croyais qu'il n'y avait personne qui allait se convertir là-bas. Mais c'est leur culture. Ils vous regardent sans rien dire. Vous ne connaissez pas, ils ne vous montrent pas leurs sentiments. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils comprennent tout ça? Alors vous, ne soyez pas comme cela, soyez vivants. Alléluia. Montrez que vous comprenez et que c'est bon pour notre vie, pour que nous sachions où nous sommes et comment nous devons nous tenir pour avancer dans cette période où Dieu veut nous visiter et nous bénir. Donc pendant la saison de l'été, la saison de la chaleur, tout va très bien. Et souvent, comme je disais, nous pouvons commettre des erreurs pendant cette saison, croyant que tout va bien, alors que le diable ou l'ennemi nous attendait quelque part pour nous attaquer, même par surprise. C'est ça qui fait que pendant cette saison où tu crois que tout est bien, Dieu te bénit, tu veux ceci, tu l'attrapes, tu veux cela, tu l'as directement, on ne prie pas beaucoup, on ne cherche pas vraiment Dieu, on croit que tout va bien et que ça ira toujours comme ça. Pourtant, le diable nous attendait quelque part au tournant. Amen. La saison de l'été. Maintenant, prenons quelques leçons sur les saisons. Prenons quelques leçons. La première leçon, c'est que il n'y a aucune saison qui soit mauvaise. Aucune saison. Même la saison du froid, nous en avons besoin. Même la saison de l'été, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la saison... Est-ce que j'ai terminé toutes les saisons? Non, hein? Ah, ok. Oh, je suis allé trop vite. Je m'excuse. Donc... Retournons et parlons de la saison de du jour. Voilà, cinquième saison. Non, parlons d'abord de la nuit. La saison de la nuit, voilà. La saison de la nuit, c'est une saison où personne ne semble te connaître. Tu peux beau faire quelque chose. Tu peux même connaître Dieu. Tu connais Dieu, tu prêches comme il se doit. Mais personne ne te connaît. Donc, tu es dans ta saison de la nuit. Tu peux être quelqu'un qui fait du bien à la famille. Dans ta famille, c'est toi qui fais du bien. C'est toi qui prie pour les gens. C'est toi qui aide. C'est toi qui pense aux uns et aux autres. C'est toi qui réunis la famille. Mais s'il faut reconnaître, on va reconnaître l'oncle qui habite Potopoto, Brazzaville. C'est lui qu'on reconnaît, mais pas toi. Tu peux être dans l'église, par exemple. Tu es quelqu'un qui... fais beaucoup de choses, tu interviens, tu interviens à ceci, interviens à cela. Par exemple, hier, quand on faisait le déménagement de l'église, là où nous étions avant, il y a des frères qui sont venus et qui ont travaillé. C'est des frères qui sont inconnus dans cette église. Alors, quand tu fais ces choses-là, tu peux te dire, mais je fais ça. Mais pourquoi les gens ne me reconnaissent pas? Ça, c'est la saison de la nuit. Quand tu es dans cette saison de la nuit, c'est une saison où tu peux beau faire certaines choses, mais tu n'es pas reconnu. On ne te voit pas. C'est la nuit chez toi. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais parce que c'est la nuit. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a eu 30 années de la saison de la nuit. Personne ne le connaissait. 30 années. Son ministère où c'était le jour, c'était seulement pendant 3 ans. Mais il a eu 30 ans de la saison de la nuit. Il pouvait aller à Jérusalem avec ses parents. Il pouvait, faire certaines choses, dire à sa maman, mon temps n'est pas encore arrivé, tout ça. Il était Dieu. Mais c'était sa saison de la nuit. Bien-aimé, quand c'est ta saison de la nuit et que tu cherches à faire sortir ta tête
Alors que Dieu ne te l'a pas permis, sache que cette tête-là sera coupée. Quelqu'un me comprend? Si Dieu te cache, parce que dernièrement, quand j'étais à Kinshasa, il y a eu beaucoup de messages dans beaucoup d'églises où on prêchait « cache-toi ». Quand c'est la saison de la nuit, cache-toi. Jésus-Christ était à sa saison de la nuit. Lui qui est Dieu, les anges pouvaient le protéger. Les anges pouvaient le garder sans problème. Lui-même, même tout en étant enfant, comme il était Dieu, il pouvait même performer some miracles. Mais, lorsque Hérode cherchait à le tuer, on a dit à l'enfant Jésus, plutôt à ses parents, fuyez avec lui en Égypte. Alléluia. Donc, quand Dieu te cache, bien-aimé, parce que c'est ta saison de la nuit, reste dans cette saison-là. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais reste dans cette saison. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être invisible pendant un temps. Même de beaux enfants qui naissent, ils restent dans leur saison de la nuit, 9 mois dans le ventre de leur mère. Donc, c'est une bonne saison. Quand c'est ta saison de la nuit, au contraire, fais tout pour connaître certaines choses. Fais tout pour apprendre. Fais tout pour être en communion avec Dieu. Fais tout pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Fais tout pour que tu sois toujours l'image de Christ. Parce que quand viendra le temps du jour, tu seras un homme béni. Je voyage souvent, bien aimé, et j'ai remarqué quelque chose avec l'avion, et surtout les pneus de l'avion. Lorsque vous entrez dans l'avion, au tarmac, vous regardez en bas là-bas, vous pouvez voir les pneus. Alors, les pneus sont visibles. Et puis, le pilote annonce, maintenant nous allons partir, on nous a donné le feu vert, l'avion commence à aller sur le tarmac, vous voyez toujours les pneus. Et puis, l'avion prend une allure pour décoller, il y a toujours les pneus. Mais une fois que l'avion monte, le pneu entre, et on ne voit plus ces pneus-là pendant un long moment. 8 heures, si vous allez de Cincinnati à Paris, et encore 8 heures, si vous allez de Paris à Kinshasa, les pneus ne sont pas visibles. Mais ça ne veut pas dire que les pneus ne sont pas importants. Mais ils sont invisibles. Ils sont là, cachés. Si les pneus ne comprennent pas leur rôle, ils peuvent se dire, mais pourquoi nous ne sommes pas visibles? En Lingala, on appelle ça les mapapous. C'est ça? Les mapapous sont visibles. Le nez de l'avion est visible. D'ailleurs, avec ce corona, le nez de l'avion devrait même porter le masque, mais on ne voit pas son masque. Tout est visible. Mais pourquoi moi, on doit me cacher? Oui? Il y a un moment où c'est la nuit pour toi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Cela ne veut pas dire que les gens ne t'aiment pas. Mais c'est la nuit pour toi. Ça peut être même la nuit dans le couple. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Mais c'est la nuit. C'est la saison de la nuit. Et dans cette saison de la nuit, il faut que nous puissions investir dans la vie, la présence, la vie avec Dieu. Je me rendais compte lorsqu'on arrivait tout près de Kinshasa, le pilote maintenant va dire, préparez-vous, c'est la descente, dans 15 minutes nous atterrissons. Vous regardez les pneus, il n'y en a toujours pas. Et puis à un certain moment, vous allez entendre un bruit, donc les pneus sortent. Cette fois-ci, quand j'ai voyagé, je n'ai pas entendu de bruit. J'avais peur, je croyais que l'avion allait tombé sur le ventre. Alors j'ai appelé rapidement un steward. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Je lui ai demandé, mais je n'entends pas les bruits de pneus qui sortent. Qu'est-ce qui se passe? Et il s'est moqué de moi. Il dit, oh, pasteur, la nouvelle technologie, les choses ont changé. Maintenant, vous n'entendez même pas les bruits. Je dis, ah bon? Les choses changent très vite. Mais en ce moment-là, les pneus sortent. Parce qu'on veut atterrir. Et lorsque les pneus sortent,
Les pneus ne font encore rien. Mais c'est sorti. Ils sont visibles, mais ils ne font rien. C'est lorsque l'avion atterrit que maintenant les pneus vont prendre la même vitesse que l'avion. Bien-aimés, lorsque nous quittons la saison de la nuit et que nous arrivons dans la saison du jour, la sixième saison, c'est en ce moment-là que les gens commencent à nous appeler. On a besoin de vous ici. On veut ceci. Partout dans la famille, on vous appelle. Oh, vous étiez à Kinshasa, invisible. Vous arrivez aux États-Unis. Maintenant, c'est la saison du jour. Tout le monde dans la famille vous appelle. Nous avons besoin de $50. Ici, il y a quelqu'un qui souffre des cheveux. On a besoin d'un peu d'argent. Il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille. On a besoin d'un peu d'argent. Vous êtes devenus visibles parce que c'est votre époque, votre saison du jour. Donc, la sixième saison dans notre vie, c'est la saison du jour où nous sommes visibles. Alors, pendant la saison du jour, bien-aimé, on peut attirer beaucoup d'amis parce que vous êtes visible. Tout comme vous pouvez attirer beaucoup d'ennemis. Les gens ne vous aiment pas sans raison. Alinga laksani. Yakani sarazanani. Donc la saison du jour, bien que ça te donne de la joie, bien que tu es visible, les choses marchent dans ta vie, mais ça va t'attirer des amis, des gens qui vont vous aimer, même peut-être sans raison. Oh, j'aime ce frère, j'aime cette sœur. Mais ce n'est pas fini, il y a des gens qui vont vous haïr, même sans raison, parce que c'est votre temps, votre saison du jour. Maintenant, prenons les leçons que nous tirons de cette saison. Le temps est en train de partir, nous devons terminer. Peut-être le dimanche prochain, continuer. La première leçon, je l'avais déjà dit, c'est que il n'y a aucune saison qui soit mauvaise. Toutes les saisons sont bonnes. Toutes les saisons sont importantes pour notre vie. Nous ne devons pas toujours être au jour, nous devons aussi passer par la nuit. Il ne faut pas que tout le temps nous ayons la chaleur, nous avons aussi besoin du froid. Nous n'avons pas à tout moment à s'aimer, il doit aussi y avoir un temps de récolte. Donc, toutes les saisons sont importantes, il n'y a aucune saison qui soit mauvais. Ça, c'est la première saison, la première leçon. La deuxième leçon, c'est que les saisons viennent et partent. Les saisons sont cycliques. Donc, si aujourd'hui tu as une saison de froid, sache que ça a une date de péremption, une date où ça va se terminer, et puis tu auras une autre saison. Mais ça ne veut pas dire aussi que les saisons de froid, c'est terminé dans ta vie. Non, ça ira, c'est cyclique, ça va revenir. À un certain moment, il y aura encore une autre saison de froid pour toi. Mais à chaque saison, il faut que nous sachions comment prendre la vie, comment être attaché à Dieu, comment chercher ce qui est important pour notre vie, afin que nous puissions refléter la gloire de Dieu, refléter l'image de Christ, mais aussi répondre à la question de Dieu. Mon fils, ma fille, où es-tu? La troisième leçon, c'est que les saisons de chacun de nous s'interconnectent. Et souvent, ça peut créer de problèmes. Parce que je peux avoir ma saison, peut-être que je suis dans une saison de froid, et puis mon frère Michel est dans une saison d'été. Tout sourit chez lui. Non, changeons d'exemple. Je suis dans une période, par exemple, de semailles. C'est ma saison de semer. Alors que Michel est dans la saison de récolte. Michel va m'appeler. Pasteur Amos, je suis dans la saison de récolte, viens m'aider.
Alors moi, je viens dans les champs de Michel. Je ne suis pas, bien que je travaille dans son champ, il est dans les champs, il a dans le temps de sa moisson. Moi, je suis dans ma saison de s'aimer. Lorsque je viens dans son champ, ce n'est pas mon temps de récolte. Est-ce qu'on comprend cela? C'est son temps de récolte, ce n'est pas mon temps. Alors, je ne dois pas arriver dans son champ et puis je le dérange là-bas, je brise certaines choses. Oh non, 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 je dois s'aimer dans son champ aussi. Je dois s'aimer parce que je suis dans mon temps, ma saison de s'aimer. Je sème parce qu'il y aura aussi, c'est cyclique, il y aura un temps de récolte pour moi. J'aurai aussi besoin de lui, j'aurai aussi besoin d'autres personnes. Donc, les saisons sont cycliques, mais les saisons de chacun de nous peuvent s'interconnecter. Et quelquefois, si nous ne comprenons pas dans quelle saison nous sommes nous-mêmes, nous risquons de créer des problèmes à ceux qui sont dans une autre saison, parce que nous vivons en communauté. Alléluia. Je vais prendre deux exemples dans la Bible et nous allons terminer pour aujourd'hui. Le premier exemple, je prendrai l'exemple de Agar. L'exemple de Agar. Quelqu'un connaît Agar ici dans la Bible? C'était Agar, c'était la servante de Sarah. Sarah qui est la femme d'Abraham. Alors, Sarah ne donne pas des enfants. Et Sarah vient donner une suggestion à son mari. Est-ce que tu peux avoir des enfants avec Agar, ma servante? Comme ça, cet enfant sera mon enfant. Je ne sais pas comment les femmes ont des idées souvent bizarres comme ça. Mais c'était ce qui s'était passé. Il y a un serviteur de Dieu qui disait, Abraham a discuté, Sarah, tu crois vraiment que c'est une bonne idée qu'on fasse cela? Sarah dit, oui, je crois que c'est une bonne idée. Mais quand je suis allé dans ma Bible, j'ai bien regardé, il n'y avait pas de discussion. Dès que Sarah a donné cette suggestion, l'homme Abraham a bondi sur l'idée directement. Nous les hommes, quelquefois, nous sommes bizarres. Peut-être qu'Abraham regardait cette servante depuis longtemps, ne voulait rien faire parce qu'il était spirituellement fort. Mais quand on lui a suggéré, il est directement parti. Mais qu'à cela ne tienne, Agar maintenant est enceinte. C'est sa saison, elle porte la semence d'Abraham. C'est sa période de semence. C'est sa saison de semence. Mais en ce moment-là, cela crée une jalousie chez Sarah. Et la Bible nous dit que Sarah a commencé à maltraiter Agar. La leçon que nous tirons ici, c'est que il y a des moments où nous pouvons être dans deux, trois saisons à la fois. Agar était dans la saison de semailles, mais à cause de ce qu'elle subissait chez Sarah, elle était aussi dans sa saison du froid, dans sa saison de la nuit. Elle n'était qu'une servante. On te donne quelque chose et tu veux devenir la femme légitime. Donc, elle a attrapé l'opposition. Elle avait à la fois la saison de la semence, à la fois la saison du froid. Et la Bible nous dit qu'elle avait décidé de quitter la maison d'Abraham parce qu'elle ne voulait, elle ne parvenait pas à subir l'oppression de Sarah. Mais quand elle est partie, donc elle avait quitté, elle est partie. Les lecteurs de la Bible savent que Sarah est allée deux fois. La première fois, elle est partie d'elle-même. Elle est sortie de la maison d'Abraham. Et là, elle a rencontré l'ange. L'ange lui a dit, retourne chez Abraham.
Pourquoi? Parce que c'est la semence d'Abraham. Cet enfant qui doit naître dans la maison d'Abraham. Tu portes la semence, tu as semé, mais ce n'est pas ta semence, c'est la semence d'Abraham. L'enfant doit naître dans la maison d'Abraham. Ah voilà, on nous a mis le verset. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. On peut continuer? Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Au verset 9, c'est comme si l'ange lui dit, on te maltraite là-bas, mais retourne pour qu'on continue à te maltraiter. Bien-aimé, si la saison du froid n'est pas encore terminée, ne quitte pas. Parce que en cherchant à quitter le temps du froid, la saison du froid, tu peux détruire ta destinée sans le savoir. Ta destinée veut que tu passes par un temps de leçon, que tu passes par un temps où tu es caché, que tu passes par un temps de froid. La saison doit se terminer avant que tu n'entames une autre saison. Mais Agar voulait partir, l'ange lui a dit, retourne. Et quand il a retourné, la Bible nous dit que l'enfant est né, Abraham a béni l'enfant. L'enfant avait maintenant l'onction, l'enfant avait la bénédiction, les anges de Dieu pouvaient maintenant en ce moment protéger cet enfant. Et quand c'est arrivé, leur saison de froid, la saison de froid pour Agar était terminée, c'est Sarah qui maintenant a dit à Abraham, chasse cette femme et son fils. Donc leur saison du froid était terminée. Alors, Agar est sorti de la maison. Et quand il est sorti, en lisant la Bible, vous remarquerez qu'à un certain moment, il n'y avait pas d'eau. Et Agar a crié, je vais mourir, voilà ce qui se passe. Mais ce qu'Agar ne savait pas, c'est que la bénédiction reposait sur cet enfant-là, parce que son père l'avait béni. Alléluia. Alors l'ange, l'enfant, quand tu lis la Bible, l'enfant ne pleurait même pas. Mais l'ange est arrivé, et l'ange a dit ceci, j'ai entendu les cris de l'enfant. Au fait, quand tu as l'onction, l'onction crie. Quand tu es béni de Dieu, cette bénédiction crie. L'ange a entendu cela, il est venu. Agar était béni, Agar était sauvé grâce à l'onction et à la bénédiction de son fils. Si elle était partie sans que Abraham ne puisse le bénir, bénir cet enfant, l'ange n'allait pas suivre cet enfant-là. Mais parce qu'il était béni de son père, voilà que par la bénédiction d'Ismaël, Agar était aussi sauvé, ils ont trouvé de l'eau et ils ont bu. Ça c'est le premier exemple que j'ai tiré dans la Bible. J'avais oublié de dire que Agar avait passé 13 ans dans la saison du froid, avant que cet enfant lui donne cette bénédiction. Voilà. Les saisons changent, mais nous devons être en harmonie avec ces changements de saison. Deuxième leçon, je vais prendre l'image de Jacob. Jacob est né. Je ne sais pas si c'était la volonté de Dieu qu'il soit l'aîné, ou c'était par sa propre force. Il ne voulait pas rester. Ils étaient à deux dans le ventre, mais Jacob voulait sortir avant. Et puis on l'a retourné. On l'a appelé supplanteur. On l'a appelé Jacob pour dire quelqu'un qui vient pour détruire les histoires, qui vient pour voler. Un usurpateur. Mais est-ce que Jacob était réellement un usurpateur? On ne le sait pas. Et son père lui a donné le nom d'usurpateur, le nom de Jacob. Et ce nom-là a été collé à lui pendant toute sa vie. On l'appelait usurpateur sans qu'il ne soit réellement usurpateur.
Je ne sais pas quel nom on t'a collé. Je ne sais pas, que ce soit dans les quartiers, que ce soit, qu'est-ce que tu as fait, ou peut-être que tu n'as rien fait, mais on t'a collé une certaine étiquette qui n'a rien à voir avec ce que tu es. Jacob a souffert de cela. Et quand est venu le temps d'être béni, avant cela, son grand frère, celui qui est sorti avant, nous connaissons l'histoire, va vouloir manger ce que Jacob avait préparé. Et Jacob va lui dire, nous allons faire un deal avec toi. Tu prends ma nourriture et tu me donnes le droit de naître. Alors, son grand frère qui ne connaissait pas l'importance du droit de naître, a dit comme cela, tu prends le droit de naître, à quoi est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me donne même l'argent? Être aîné, ça me donne quoi? Il a vendu ce droit de naître. Donc, en réalité, lorsque l'on bénit les aînés, c'est plutôt Jacob qui devrait être béni, parce qu'il a acheté ses droits de naissance. Mais l'usurpateur, à mon sens, c'est plutôt son grand frère, parce que quand papa voulait bénir, son grand frère est venu et il voulait recevoir la bénédiction qu'il avait déjà vendue et il avait oublié cela. N'oublions pas certaines choses, bien-aimés. Ou plutôt, ne faisons pas des erreurs dans la vie que nous risquons d'oublier dans la suite alors que cela a des conséquences dans notre vie. Commettons pas des erreurs. C'est pourquoi nous devons savoir toujours où nous sommes. Bref, Jacob a pris la bénédiction. Mais en prenant la bénédiction, son frère lui a dit, maintenant que tu as volé ma bénédiction, je vais te tuer. Et Jacob va fuir. Il fuit et il va chez Laban, son oncle, qui lui aussi va le faire souffrir. Donc, en quittant la maison de son père, dans la maison de son père, Jacob était dans la saison de la lumière, la saison de la chaleur. Tout était beau chez son père. Mais en quittant, il est entré directement dans la saison du froid, dans la saison de la souffrance, dans la saison des sacrifices. Son oncle lui disait, ici c'est chez moi, ce n'est pas chez ton père. Alors pour avoir une femme, il fallait 7 ans de travail. La Bible dit qu'on changeait souvent son salaire, mais pas dans le haut, mais plutôt dans le bas. Toujours, tu es venu en retard, on va enlever 50 cents. Tu as fait ceci. Il y a 2 moutons qui sont morts. On va prendre ça sur ton salaire. On changeait toujours son salaire. Il a souffert pour une femme 7 ans. Mais lorsqu'on va lui présenter la femme, dites-moi, c'est à quel moment que on lui a présenté cette femme-là? C'était la nuit, nous dit la Bible. Donc il était dans sa saison de la nuit. Quand tu es dans ta saison de la nuit, frère, il faut faire très attention parce que tu risques même de ne pas savoir qu'est-ce qu'on te donne. Et le matin, il va se rendre compte que ce n'était pas sa femme. Ok, tu veux ta femme, 7 ans encore de travail. 14 ans, bien-aimé, de la saison de la nuit pour Jacob. Mais lorsque Jacob va se rendre compte que son oncle l'a beaucoup floué, il va décider de quitter chez son oncle. Et il va partir, nous connaissons l'histoire, où il va rencontrer, il va avoir un problème pour dormir, on lui a donné un coussin, il a trouvé un coussin en pierre, il a dormi là-bas, il a eu un rêve, les anges montaient, descendaient, tout ça. Non, ça c'était avant. Et il a lutté plutôt avec Dieu, et la Bible nous dit qu'il a vaincu. Et puis il va demander le nom de la personne avec qui il luttait. Et c'est cet homme-là qui va changer son nom. Tu es Jacob. Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Tu étais Jacob, mais maintenant je change ton nom, tu deviens Israël. Quand la saison de la nuit se termine dans ta vie,
et que commence une autre saison, Dieu peut changer même ton nom. Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Dieu va accomplir des choses qui vont t'étonner, qui vont te bouleverser. On avait annoncé à Jacob que maintenant que tu as fui chez Laban et que tu veux retourner chez ton père, ton grand frère est en route pour te chercher. Avez-vous déjà vu l'histoire d'un homme qui fuyait les lions et puis il monte sur un arbre et puis là sur l'arbre il y a le serpent et puis il veut plonger dans l'eau, il voit le crocodile. En bas là-bas on a écrit Biliakio, Bikoki. Maintenant tu vas faire quoi? Mais dans sa nuit, quand il a lutté contre cet homme, la Bible nous dit, le verset 31, Genèse 32, verset 31, voilà. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche, il avait lutté toute la nuit. Mais le matin, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Le soleil s'est levé. Il venait de changer de saison. Il venait de changer de saison. Alléluia. Les saisons passent, les saisons reviennent. Les bonnes saisons viennent. Les mauvaises, ce que nous croyons être mauvais, passent. Mais pendant que nous croyons que c'est mauvais, Dieu travaille. Nous allons continuer cet enseignement le dimanche prochain. Mais pour le moment, bien-aimé, j'aimerais prier avec quelqu'un qui passe par une saison difficile. Une saison où c'est le noir, une saison de la nuit, une saison du froid, une saison où tu ne comprends rien du tout. Une saison où tu crois que tu es abandonné, tu es délaissé. Une saison où tu penses que personne ne te comprend. Tu passes par une saison difficile. Les choses ne marchent pas. C'est la nuit pour toi. Tu mets les papiers quelque part, ça revient toujours, oh non, il faut encore ajouter ceci, il faut encore faire cela. Tu mets des demandes de travail ici et là, les réponses c'est toujours, on a engagé tout le monde mais pas toi. C'est ta nuit, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas pour toi. Bien-aimé, avance rapidement, le temps est passé. Si c'est ta saison, tu es dans ce genre de saison, avance rapidement, je vais prier pour toi. Venez rapidement. Pendant que la chorale aussi avance. Merci ma sœur. Une saison difficile pour toi. Une saison où tu ne comprends rien. Mais tu as besoin de Dieu. Une saison où tu crois que tu es rejeté, abandonné. Une saison où rien ne semble marcher dans ta vie. Avance rapidement, bien-aimé. Avance rapidement. Si tu es dans une très bonne saison, tu crois que tu es bien, tout marche bien, alors incline-toi dans la prière et dis merci à Dieu. Prions ensemble. Prions ensemble. Dis merci, merci à Dieu. Merci mon frère d'avance. Dieu nous dit, où es-tu? Il est important que tu puisses te connaître. Que tu saches où est-ce que tu es. D'abord, à quel niveau, à quelle étape? Est-ce que tu es un adulte? Tu es un enfant? Tu as besoin d'aide? Jésus. Tu es un adolescent dans le Seigneur, un jeune? Tu es à quel niveau? Et avec les saisons aussi, tu es à quel niveau? Quelle est ta saison? Lorsque tu connais ces choses, bien-aimé, alors tu peux faire une bonne prière. Tu peux chercher Dieu pour que tu puisses refléter son image. Tu as besoin de connaître où est-ce que tu es et qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Prions ensemble, bien-aimés, prions. Là où tu es, prie Dieu.
Bien-aimés, il faut toujours que nous puissions investir pour que dans une année, dans deux ans, nous puissions trouver nous aussi un cadre comme celui-ci. Donc chaque fois que nous donnons, ayons cette pensée en tête, que nous investissons, nous sémons pour qu'un jour, la grâce de Dieu puisse nous soutenir aussi. Et nous bénissons l'église Cornerstone et son pasteur qui nous ont donné cadre si merveilleux. Venons avec nos livres, venons avec nos enfants rapidement, que nous gagnions le temps qui est déjà parti. Saison bien-aimée. Tu ne sais pas, peut-être que tu passes par une saison et ton épouse passe par une autre. Peut-être que tu passes par une saison et ton frère passe par une autre saison. Tes enfants peuvent passer par une autre saison. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres.
maintenant, pense à ta famille et prie pour eux. Pense à ton mari, pense à ta femme, pense à tes enfants. Recommande-les entre les mains de Dieu pour que s'ils passent par des moments difficiles, que Dieu puisse être avec eux. Je voudrais vous donner l'exemple de mon fils, le dernier, qui est venu un soir, je méditais la parole de Dieu, il est venu me dire, « Papa, pourquoi tu ne m'aimes pas ?» Je ne savais pas que mon fils pouvait avoir cette idée-là. J'ai eu le temps de lui expliquer que je l'aimais et qu'il n'y a rien qui pouvait changer cela. Mais je ne savais pas que mon fils passait par une certaine dépression parce qu'il était persuadé que je ne l'aimais pas. Tout simplement parce qu'un jour, je lui avais interdit à une certaine heure de jouer avec ses Nintendo et tout. Donc il est possible que tu crois que tout va bien, alors que dans ta propre maison, les choses ne vont pas bien. Prie maintenant et recommande ta maison. Prie ensemble. Prie ensemble. Père, merci de prendre soin de nos enfants. Merci de prendre soin de nos partenaires. Être notre Dieu. Nous pouvons être durs envers une sœur, envers un frère, sans savoir à quelle saison il est. Ça peut être notre Dieu dans l'église. On peut croire que tout va bien alors que le frère, la sœur passe par des moments difficiles. Éternel, quelle que soit la saison dans laquelle chacun de nous passe, ma prière est notre Dieu, c'est que tu gardes tes enfants. Garde ton église, que tu marches avec chacun de nous, Seigneur. Que même si c'est dans la nuit profonde de notre saison, ô Père, que tes anges campent autour de nous et nous arrachent de tout danger. Et lorsque nous sommes en été, Seigneur notre Dieu, dans cette joie, dans cette euphorie, ô Père, lorsque le diable vient vers nous, comme un fleuve que le Saint-Esprit le met en désarroi, je recommande que tes enfants entre tes mains, Seigneur. Je prie pour que ta grâce nous soit accordée, que nous puissions, comme David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai rien à craindre parce que ton bâton, ta houlette, ça me protège. Et à cause de cela, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quelle que soit la saison, Père, nous avons besoin de toi. Quel que soit l'étape de notre vie, Seigneur Dieu, nous avons soif de ta présence. Alors manifeste-toi, Seigneur Dieu, et aide-nous à être à l'image de Christ, comme tu le voudras, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons notre sœur Nelly, c'est la vice-présidente de la jeunesse. Elle passe par une saison dure. Sa mère vient de mourir. J'aimerais que nous puissions prier pour elle, la recommander entre les mains de Dieu. Tous ceux-là aussi, qui ont perdu un frère, une soeur, quelqu'un d'autre, recommandons nos bien-aimés qui passent par ce moment dur entre les mains de Dieu. Nous avons notre frère Bouéboué qui est allé enterrer son papa. Recommandons-les entre les mains de Dieu. Prions pour nos frères, nos soeurs qui passent par des moments durs. Prions ensemble. Là où il est, Père notre Dieu, pour enterrer ses parents, ton papa, Seigneur, que tu les gardes, le protèges. Et il y a Nelly aussi qui vient de perdre sa mère, Seigneur. Je prie pour que tu la fortifies. Père notre Dieu, que ta grâce soit sur elle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci de te manifester. Merci d'agir. Quelqu'un de notre Dieu passe aussi par ces moments que nous ne savons pas. Et nous prions pour que ton règne vienne dans ça, en ces moments.
vraiment que chaque vendredi, nous sommes ici en prière. Si tu as besoin d'une prière, viens le vendredi de 18h à 19h. Mais aussi, le dimanche, nous commençons notre culte à 12h30. Terminons à 14h30. Aujourd'hui, on a dépassé les 15 minutes. Nous allons faire la prière de clôture, s'il vous plaît. Tenez debout. Terminons cette prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je recommande ton peuple entre tes mains. Bénis la semaine qui commence. Et chacun d'eux, dans notre Dieu, pendant cette semaine, dise : l'Éternel a été mon merci. Je n'ai manqué de rien. Les miracles ont été derrière moi. Le bonheur et la grâce m'ont accompagné tout le long de la semaine. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le frère, le jeune frère Chouchou, aidez à ramener les chaises dans les coins. Aidez à ramener les chaises dans les coins. Travaillons ensemble au nom de Jésus.